nous avons baptisé le monument du vaillant soldat. Anciennement, on appelait ça soldat inconnu. Ici, les corps n'ont pas été enterrés. Il s'agit d'ériger un monument en mémoire des soldats, des vaillants soldats qui sont tombés pendant la guerre de 80 jours. Alors ce monument est resté pratiquement délaissé. Et les gens utilisaient cet endroit comme un endroit où on pouvait jeter les immondices. C'est ainsi que lorsque nous avons pris les rênes sous Madame la gouverneure, nous voulions donner une image et une robe à la ville. Je crois que vous êtes déjà dans la ville, vous voyez ce qui se passe. Et ici, il y a quand même des vaillants soldats qui sont tombés, qui ont marqué leur histoire. C'est notamment le général Ikoukou, il y a le général Mayele et d'autres que nous devons pratiquement marquer et donner leur portrait sur ce monument. C'est un monument qui va revaloriser la FRDC, qui peut attirer pendant les événements ou les fêtes des forces armées, que certaines manifestations peuvent se passer ici.